Alors, nous sommes à Lillebonne pour la 51e édition du rallye du Pays de Caux. Nous sommes aux vérifications techniques, on est la veille du rallye et du coup toutes les voitures sont en train de passer pour faire les vérifications de sécurité et le rallye va bientôt commencer. Rallye de Lillebonne, ouais. Avec Bab. Et évidemment, grand brossard sans voile, c'est ça la question. Avec le Bab. C'est bon ? Alors, il pleut à Sceaux. Mais ne serait-ce pas le moment de demander à Bab une analyse de plateau ? Ça me semble très pertinent. Tu me dis quand c'est bon ? Bon, il est l'heure de faire le point pronostic avec cette magnifique feuille, vous avez vu ? Moi, je viserais bien Samuel Salone en victoire, qui a fini quand même deuxième au Marcantin. C'était quand même derrière Bonato, donc difficile de faire mieux. Laurent Bayard, qui a gagné quand même plusieurs rallyes, donc c'est quand même quelqu'un qui est bon, on peut dire. Hein. Donc, après, on attaque avec le numéro 3, Philippe Robert. Donc, prétendant au top 5, voire au top 3, possiblement, s'il le peut. Mais un possible top 5, comme il a souvent fait, on va dire. Alexis Flambard avec sa nouvelle voiture, l'Alpine, qui vient juste de le recevoir, comme il nous l'a dit tout à l'heure, quand il est passé. Ouais, très belle voiture, mais... Qui est en dehors en maîtrise, mais qui a des chances de faire un top. Qui a des chances, ouais, comme c'est quand même une voiture qui est performante. Anthony Langlois avec la Mitsubishi, avec sa quatrième place de la Côte Ferrée, donc je pense qu'il est à même de faire une bonne place ici. Emmanuel Hervieux, la mythique M3, rien à dire de plus, voilà, une légende. Otto Reynald qui était engagé avec la Cosworth, la Sierra, mais qui est engagé en moderne, ce coup-ci. Jean-François Piot qui était engagé aussi avec la Fabia, qu'on avait vu aux essais de Saint-Hélier. Voilà, Romain Brion, qui pourrait faire une très très bonne place. Alain Allais, possiblement aussi, avec une très bonne voiture. Et aussi à noter Julien Mallet qui avait fait une très belle place à la Côte Fleurie. Donc c'est quand même prometteur, un beau plateau et de belles voitures. Bab, c'est l'instant drone. Là, je sais qu'ici on peut contrôler pour être sûr que personne ne va rentrer. On est au parc fermé. Oui. Avec Michel. Michel. Avec Michel, gars. Michel. Michel, t'es filmé. Tu fais un coucou. Tu fais coucou à la caméra ou quoi? Michel, responsable parc fermé. On va faire un peu de drone. Il rentre pas dans le parc fermé finalement. Peut-être maintenant. C'est le repas. C'est bon ? Ah oui, celle-là, c'est on entend les ruptures l'an dernier.
le billard sur cette 208 VTI. Si vous voulez, ensuite, place à l'état. Le 23. Voilà, il y a la première tranche. Bonjour Alain. 5 dans cette classe, Alain. Bon, bah, t'aimes bien Lillebonne? Ouais, j'aime bien, puis là c'est un peu gras, donc c'est bien. Le bon compromis là, ça à la fois séché un peu par rapport à l'air, c'est encore humide. Condition de course qui te convient bien, toi. Hein? Ouais, c'est un peu bien. Ouais, bah écoute, bon premier tour à tous les deux. Salut Fix. Numéro 37, Alain Allais et François Xavier de la Barre. C'est pas encore la voiture définitive, mais on le retrouve là sur le podium de départ. C'est l'équipage numéro 45, Florian Fagnan et Franck Plumet. Florian, et bien voilà, avec cette 206, et bien voilà, un nouveau départ à Lillebonne. Un départ, j'espère être arrivé, on passe tous au kilomètre à la côte surtout. Et ouais, c'est cool d'être là, il fait beau, le terrain est super spécial, j'adore. En espérant passer une bonne journée. Alors on le disait avec les copains là, devant, avec des routes qui vont être un petit peu pas des choses, mais l'air de, un petit peu sec, mais encore très mouillé, certainement très humide dans certaines parties. Ah oui, ça va être puissant, de toute façon, il y a des pièges un peu partout, c'est un régime, mais chaque point de virage, il y a tout ce qu'il faut pour se faire plein. On va prendre ça à la légère, je pense. Voilà, avec le bon premier tour à tous les deux, bonjour Franck. Pour Florent Fagnan et Franck Plumet, équipage numéro 42.
Dans les bois pour atteindre notre point, et là-bas dans le fond on a Bab. Après, dans celle-ci, au premier passage, on s'est fait plaisir. Et puis là, on a bien roulé dans la dernière boucle. Impeccable. Impeccable. Ouais. Super, okay. Merci. Merci. Ah.
Jeff. Non, c'est Jeff. Ouais. Jeff Lyon. On attend son chrono, mais je pense qu'il l'a gagné, hein, c'est bon. Hein. On a bien roulé, on s'est bien éclaté, bravo à lui, il a fait une belle course. Bah, c'est à la loyale. Très bien. Merci. Encore un rallye de fini pour nous. On a pris beaucoup de plaisir. On savait que nos amis seraient plus vite. Ouais, t'as eu de la confiance. Ouais, c'était top. Nos amis seraient plus vite, on le savait, mais on s'est régalé. C'était vraiment top. C'était piégeux ce matin. Et voilà, on a passé une excellente journée. Je crois qu'on finit 5. Ça nous convient très bien. Ouais, c'est bien. Vu le plateau, c'est top. On progresse. Ouais. Bah ouais. Là, ce week-end, on s'attendait à être bien mieux que ça, et au final, non, pas du tout. On a un peu de setup à faire sur la voiture, je pense, parce que j'arrive pas à la caler comme je voudrais. D'accord. Et puis, va falloir qu'on roule, hein. De toute façon, il y a pas à chier là. Et puis après, ça va rentrer, mais c'est une super caisse en tout cas. Donc, tu t'adaptes là. Là, il va falloir s'adapter. Ouais. Ok. Mieux après ce matin, on fait deux tout droits, mais on n'a pas de regrets parce que malgré les deux tout droits, ça aura rien changé. Donc, on a un autre place, quatrième. Voilà, on a espéré un podium. Mais Jean-François qui a fait un super rallye, oui, on s'y attendait pas, et du coup, il a surpris tout le monde. Et non, c'est bien, bravo à lui. Et voilà, il gère bien sa voiture, ouais, ça a l'air. Ouais. Pas beaucoup de soleil, même si là les rayons qui arrivent, c'est encore sale, mais voilà, très content. On est à l'arrivée, la voiture a pas une égratignure, alors là voilà, je suis fier. Merci. Bonne journée. Bon, alors la VH parmi les modernes, c'est vrai que la VH parmi les modernes, mais on s'est plutôt bien débrouillé. Ouais, on est dans le top 10 à mon avis, donc c'est inespéré. Je pense que je pensais plutôt être dans les 20 ce matin. Ouais. Donc les vieilles sont encore bonnes. Exactement. Bonjour. Bon, une performance très impressionnante. Merci. Qui présage des bonnes choses pour l'année. Bah peut-être, on espère. Voilà, je crois que bon, on en a mis un peu trop, on s'est tête à queue là dans la dernière. Ouais, mais bah voilà, c'est comme ça. D'optimisme. Soit on jouait la victoire, soit on la jouait pas, mais bon, on est sur le podium. Hein. C'est notre premier podium en Dora F1. Ah oui. Pour notre deuxième rallye en R5. Donc ce matin, on signait dès demain, si on nous avait dit ouais, ça. Ouais, c'est plaisant du coup là. C'est quoi ? Moi,
tu m'as pas reconnu tout à l'heure. Non. Tu m'as pas reconnu. Ça a été impeccable. Alors j'ai eu des problèmes de frein à Marcanterre. Ouais. Et du coup là, j'ai pas réussi dans la première et dans la deux à me remettre dedans. Faut... Manque de confiance. Fallait une petite là... boucle en plus. Pardon ? Fallait une petite boucle en plus. Voilà, c'est ça. Et là maintenant, ça va, je m'amuse. Donc je m'amuse beaucoup. Merci. Merci à toi. Puis on a tapé devant. Après on s'est dit on va la broyer, de toute façon c'est la bagnole du taf, j'en ai rien à branler. Non, puis là non c'est revenu. Non c'est bien, on a changé les pneus, les réglages, Alexis Flambard a fait un super taf. Un peu timide ce matin dans la première, pas réveillé, et après on a bien roulé. On a fait trois belles spéciales, je sais pas, peut-être dans le top 10 à chaque fois. Ah bah c'est bien. Donc super. Pas impeccable. Merci. Ça a été ? Très bien, ouais. Très bien. Encore un fini après la Côte Fleurie. Ah bah oui. Ce matin un peu compliqué la mise en route, et là tantôt on fait des bons chronos, donc c'est bien. Fallait un tour de plus. Un tour de plus et il fallait que ça soit sec que ce matin. Ouais, c'est ça. Faut que ça soit sec. Ouais. Voilà. Bon, quelques péripéties de capot, mais mis à part ça. Ouais, bah la tâche a dû sauter sur la compression ce matin et dans la descente il est parti. Mais bon, il a pas pété le pare-brise et on a pu le récupérer, donc. Ouais. Et puis bah, la voiture a fini, impeccable. J'ai eu du mal avec la boîte et tout, mais. D'accord. Mais sinon pas de soucis majeurs, et bah merci à Franck de m'avoir prêté la voiture, de prendre un peu de points au cas où pour Nice, mais il va falloir en faire d'autres. Il va falloir rouler. Voilà. Bon, merci. Bon, on est arrivé au bout. Ouais, on est au bout, on s'est vraiment battu avec Chris, mais là il nous en remet, il passe devant dans la dernière. Bon, c'est super, on s'est régalé, et je suis super content pour lui. Bon, très bien. Voilà, ça va. Merci. Thank you.
Avec Hop, c'est Adrien qui vont demander ça. Ah son oui, premier bon. Rallye. Alors, premier rallye de fait. Ça s'est bien passé, tout va bien. Ouais. Voilà. Beckham, ça a été. Oh, Beckham. Il a bien annoncé les notes. Des bonnes notes et tout. Ah, nickel. Normalement on fait la classe donc pour une première c'est très bien. Donc avec mon frère on est content, ça a bien roulé là. Les évolutions de la voiture. Ouais, il y a encore à gagner un peu sur le frein à main parce qu'il tire pas de ce temps là. Alors on avait des pneus tendres, alors je pense que le grip, un peu trop de grip à l'arrière. Mais alors, c'est un régal ce truc. Merci. Un de plus de fini. Ouais, encore un de plus de fini, ouais. Content, on a super bien roulé ce week-end. On attend de voir, on est en bagarre avec Nico tout à l'heure, là, voir si ça le fait ou pas, puis on verra. On verra. Tu as un super week-end. Merci. Vous avez passé un bon week-end. Là, il fait beau. Ouais, nickel. Nickel. Deuxième de classe. Avec ah, bah, c'est bien. Ça, nickel. Ouais, juste derrière. Petit qui est derrière, ouais, juste derrière. Ouais, on regarde tous les deux, mais c'est impeccable. Bon, c'est bien. Super. Normalement, ouais. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien pour une reprise, on est assez content. C'est bien marré, la voiture marchait super bien, un bon copilote. Donc, et merci à tous ceux qui nous ont donné le coup de main. Merci. Des bêtises, mais c'est pas grave, on a super bien roulé. Première fois que je roulais avec Julien, donc non, on est dans les secondes des leaders, donc on est super content. Ah, bah c'est bien! Donc voilà, on a fait des bêtises, et voilà, mais c'est pas grave, c'est que tout marche bien. Je commence à prendre confiance, et puis avec du roulage, ça va venir. Merci, merci à vous. Bah ouais, encore un rallye terminé, on s'est bien éclaté là, c'était c'était bien, c'était chaud, ouais. Mais bien, vraiment un réel plaisir.
Impeccable. Ça fait du bien leur parler saison. Ah, c'est bien. Ouais. Ah, bon, ben allez, un gros bisou. Oui. Et à bientôt. On se voit à Dieppe. Ça va? Ça va et toi? Oh, il fait un peu froid. Attends, je vais couper, ça va être mieux. Ça a été? Bon, écoute, on s'améliore cet après-midi. Ce matin, c'était très frileux parce que Geoffrey, on s'était vu aux essais. C'est son premier rallye, oui, ça y est. Oui, oui. Et du coup, ce matin, pour quelques problèmes de notes, hein, c'est normal, hein, on débute c'est tous comme ça. C'est le temps de prendre son rythme. Hein. Et là, cet après-midi, beaucoup mieux. Ce matin, il nous en met 35, Tom, devant, et là, il nous en met même pas 10. Donc, je pense que les prochains rallyes seront plus, plus équilibrés. Ouais, on a pris plus de plaisir sur la route. Là, on s'est fait plaisir. Ah, c'est cool. Bon, impeccable. Merci. Salut. Débarre de la dernière, il nous restait qu'un dixième avec Tom. Et alors du coup vous avez pris la classe là? Ouais. Oui, on a gardé la classe toute la journée. Donc, bon, c'est bien. Enfin, là ça a roulé. Il y a eu 2-3 passages tendus quand même. On a failli se mettre sur le toit sur un virage. Fallait prendre des risques. C'est ça. Bon, très bien. Merci. Prochaine date? Sûrement le cœur de Lyon. Cœur de Lyon, impeccable. Ça s'est bien passé? Comment? Ça s'est bien passé? Ouais, ça va, impeccable. On est au bout, c'est le principal. Ouais, ouais. La voiture va bien. À part les doigts rétro, ça va? Ah, bah oui. Non, ça va, impeccable. Là, on fait 2-3 conneries à la con, mais rien de bien inquiétant, quoi. Bon. Le principal, c'est d'être là. Maintenant, on va aller fêter ça avec les copains. Voilà. Merci. Normalement on doit faire 3 classes. D'accord. Normalement. Et devant ça va franchement très vite.
Bon, très bien. Mais très content. Impeccable. Merci. Merci. Il est 15h33, un petit point classement s'impose. Donc, première place, Samuel Saoud qui gagne le rallye avec 8 secondes d'avance sur Jean-François Piot. Donc, une belle performance parce que ce matin, il a fait les deux scratchs dans les deux premières spéciales. Et là, il a fait, il finit deuxième. Troisième, Laurent Bayard, qui est une belle place aussi avec la Fabia. À 12 secondes, donc un peu plus loin. Anthony Langlois, 4e avec la Mitsubishi, à 44 secondes. Philippe Robert, 5e, donc comme on le disait dans les pronostics, il a fait un top 5. Il fait le top 5 sur ce rallye. 6e, Alexis Flambard pour ce rallye d'apprentissage, comme il nous a dit avec l'Alpine. 7e, Emmanuel Hervieux. Avec la M3 à 1 minute 28. 8e, Alain Allais avec la Mitsubishi à 1 minute 33. 9e, Romain Briand avec la 208 Renault à 1 minute 38. Et 10e, Otto Reynald avec la Sierra. Donc c'est quand même une belle place avec une VH parmi les modernes. Voilà pour ce top 10 du rallye du Pays de Caux 2024. Bon, c'est sur ça qu'on termine le rallye de Lillebonne. Encore un de plus, hein? Encore un de plus. Ouais, c'est bien. Oui, on fait un point tout seul, tu es exclu, Jonathan. C'est pas le président, je vais tous vous exclure de l'association. Bref, on se retrouve pour des nouvelles aventures. Oui, dans où Cœur de Lyon, non? Saline? Saline? Je sais pas, oui, Saline peut-être. Saline. In your ear, but you can't forget from sundown to sunset. Nah, nah. It's all in the air.